Bonjour, bonjour! Hop là! J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Le mal de tête de mardi est passé. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça aurait été... pu commencer à être un peu grave. Bonjour Dame Quête, bonjour Bill Matt, bah, c'est gentil à vous d'être là. Hop, bah c'est... Y a pas de soucis. Bill Matt, c'est gentil à toi d'être là pour la 50e du coup, ce matin. Voilà, la 50e émission, ça commence à faire beaucoup. Hein. Il est peut-être temps d'arrêter. C'est ça, c'est un signe, il est temps d'arrêter. 50, ça commence à faire beaucoup. J'espère que vous allez bien. Hop, et regardez pour l'occasion. Voilà, j'ai ma belle tasse. Hop là. Alors, un seul regret pour ces 50 ans... 50 ans. Cette 50e émission, c'est qu'on n'aura jamais atteint la jauge minimum pour montrer la tasse moins de 18. Vous les bougies, c'est comme ça. Quand une émission fait plus d'émissions que de visionnage, peut-être se poser des questions, mais c'est pas grave. Hop là. Retraite à 50 émissions, c'est ça. Non, on va continuer encore un peu. En fait, c'est ce matin, pour tout vous mentir, j'étais pas parti sur cette émission-là du tout. Et... oh, attendez, je vais baisser parce que je pense que le son est fort, là. Voilà, j'étais pas du tout parti sur cette émission-là, et en regardant ma playlist de la tasse de thé, je me dis, oh, attends, mais il y a déjà 49 émissions ? Eh ben, c'est la 50e ce matin ! Voilà, j'avais pas tenu le décompte, je pensais qu'on était à 47, 48, je savais que la 50e arrivait, mais je pensais pas qu'elle était ce matin. Voilà, on y est. Alors, pour cela, attendez, je prends une petite gorgée, j'espère que vous avez pris votre tasse aussi, hein, ce matin. Hop là. Désolé du coup pour ceux qui étaient sur YouTube mardi, parce que du coup le live a été coupé comme ça, d'un coup. Je sais pas, ça fait la deuxième fois que ça arrive, et en plus il disparaît de la chaîne, complètement. Donc j'espère que ça ne se reproduira pas ce matin. Heureusement, étant que je diffuse aussi sur Twitch, j'ai pu récupérer l'enregistrement de Twitch et le repasser sur YouTube. Mais ça devient très compliqué, c'est aussi ça qui est pas très motivant, c'est qu'on sent que voilà, YouTube fait de la police. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre que ça coupe en plus comme ça, parce que généralement ça coupe pas comme ça. Oui, si c'est du café, ça passe, pas de soucis. Ce matin, vous allez voir, en plus, ça du coup, ça va être une émission spéciale tasse de thé, ou tasse de café, pour le coup. On va dire une émission spéciale tasse et mug, hein, comme ça, on n'est pas raciste. Hop là, d'ailleurs, je vais pas, voilà, je vais pas vous embêter pendant très longtemps avec ça, hein. Je parle beaucoup, là, je parle beaucoup. Mais non, si c'est du café, ça passe, pas de soucis. Hop là, on va commencer je rappelle, hein, l'émission à la base c'est vous accompagner pendant les différents confinements, pendant le télétravail et tout ça, et pour vous faire une petite pause, et on découvre des choses insolites, on découvre des artistes, on découvre différentes créations en tout genre, et puis on va commencer ce matin direct avec ceci. Alors attendez, je me prépare parce que je suis pas prêt. Hop là, allez, c'est parti.
Voilà, on commence ce matin par une petite illusion d'optique, voilà, sur le thème de la tasse. Bonjour Mathilde, merci d'être là, même si c'est du café, ça passe aussi, pas de soucis. Allez, on trinque. Ça faisait longtemps que j'avais pris du temps aussi pour prendre un petit thé ce matin, enfin le matin comme ça. Je vais vous en montrer une autre. Une petite vidéo d'animation pour changer un petit peu de façon de créer. C'est un peu glauque, mais c'est bien fait. Alors glauque, attention, c'est pas non plus trash, y a rien. C'est du dessin animé, vous allez voir, c'est tout mignon. Enfin, c'est tout mignon, c'est bien fait. Je sais pas comment définir ça. Je vous montre ça tout de suite. Hop là. Hop là, on est revenu là-dessus. Ah, oh, trop rapide. Allez, hop là. Voilà, une petite animation ce matin. Voilà ce qui se passe quand vous prenez une tasse de café, enfin ou une tasse de thé. Alors, attendez, je remets parce que du coup ça a déréglé tout mon truc. Hop là, c'est quand tu veux, Pépère. Hein. Surtout, te sens pas obligé. Hop là, voilà, c'est bon. oh là, c'est quoi ça? Non, on peut bloquer hein, ça. Ah oui. Ouais, c'est ça, le champagne à 10h, c'est pas... Faut pas attaquer comme ça, hein, Mathilde. C'est pas bon signe hein, quand on fait ça. Alors, pour faire effet champagne, je vais remuer très fort ma tasse et on va y faire des bulles. Hein, comme ça, ça sera du pétillant, la couleur, c'est pas mal. Ça va faire, on fait comme ça. Alors, je vous conseille de faire ça aussi avec votre café, des bulles hein, dedans. La couleur sera pas bonne, par contre. Ah, non, un petit thé à la menthe, ça fait bien du bien. Hop là. C'est ça, Bill Matt. Oui, je verrai plus mon truc pareil maintenant. Merci. Hop là. Bon, et vous savez que j'apprécie énormément tout ce qui est record du monde. Hein, il y en a plein. Il y en a plein. Le dernier, il y en a un rigolo que j'ai vu il y a pas longtemps. Faudrait que je le retrouve. J'en ai parlé avec ma compagne parce qu'on se dit, mais vraiment. Alors déjà, c'est un record du monde. Mais on s'est demandé si avant lui, du coup, puisque c'est un record, il y avait quelqu'un qui l'avait fait déjà. Parce que s'il dit déjà le faire une fois, c'est dingue. Mais le faire deux, non, il y a un truc qui... Oh, faut que j'essaye de vous retrouver ça. Je vais voir ça avant l'émission, sinon je vous en reparlerai à la prochaine. S'il y a. J'ai vu ça. Alors attention, hein, qui dit, voilà, record du monde, on va partir sur la tasse. Hop, c'est une mauvaise capture d'écran, hein, vous retrouverez l'original très facilement. Je vous mettrai de toute façon les liens, encore une fois, dans la description, comme je fais à chaque fois. Attention, je vous montre ça tout de suite. We'll be right back.
just up to 4 in the morning right now. Today is 15 October 2010. Exactly with 2010 US gallons of coffee, GourmetGiftBaskets.com has set the new Guinness World Record for the largest cup of coffee in the world. Hop là, ah bah ce matin ça fait n'importe quoi tout ça, bah voilà, c'est pour la cinquantième. C'est pour la cinquantième, il fait n'importe quoi. Oh. Je vois que YouTube est encore déconnecté. Eh ben, je vais continuer le live sur Twitch. J'espère que Twitch ça marche. Je vais voir si ça marche Twitch. Bon. Coucou, je regarde si ça marche sur Twitch. C'est. Enfin, fatigant. C'est fatigant. Hop là, évidemment, on entend le son des autres streams. Alors, excusez-moi, hein, c'est du direct. Je regarde si sur. Si sur Twitch, ça, le live continue. Le live a l'air de continuer, tout va bien. Bon, bah super, on va continuer là. On va continuer là pour le moment. Et puis, et puis, voilà, on verra bien. Hein, je vais faire comme d'habitude. Allez, on continue. Petite dernière vidéo. Ça fait longtemps que je l'avais sous la main aussi, celle-là. Parce que voilà, les vidéos que vous voyez ce matin, c'est les vidéos que j'ai depuis, depuis un moment. En attendant que ça, je puisse faire la cinquantième, en espérant que je la fasse un jour, et oui, on y est arrivé. Allez, hop là, je reviens sur ça, super, ça marche. Et puis je remettrai la rediff, hein, recoucou à ceux qui sont sur YouTube. Je vais arrêter les lives sur YouTube, ça devient... Enfin, faut savoir que, voilà, je vais vous expliquer, hein, tant pis. Je pense qu'il y a un truc qui bloque mes lives sur YouTube. Je sais, enfin, je pense que c'est des vidéos libre de droit ou autres, mais pas forcément libre de droit. Je ne gagne rien sur les pubs, je ne gagne rien sur ma chaîne, c'est pas le but. C'est pas le but. Le but, c'est de vous faire découvrir des choses et vous mettre les liens dans la description pour que vous ayez à les découvrir si vous en avez envie. Qui monétise la vidéo et qui donne ça aux ayants droit, ça me dérange absolument pas. Mais genre vraiment pas qu'il bloque les vidéos comme ça en train de se faire là en ce moment. Non, ça, enfin voilà. Je pense que je vais arrêter parce que c'est gonflant. Voilà, donc au revoir YouTube, je pense. Et on verra pour la suite des événements. Voilà, allez, je vous montre quand même la petite vidéo là. Voilà, c'est lancé. This collection represents 35 years of my life. Oh, careful. Our journey begins with this mug. Dave, lift the microphone. Whoa! Hey! Voilà, voilà. Petite collection de tasses qui finit mal. Et voilà, petite collection de tasses qui finit mal. J'en profite, puisque de toute façon, c'est déjà bloqué. La petite dernière vidéo de ce matin, je vais vous en montrer une toute petite, tout petit extrait, et puis je vous mettrai le lien dans la description. On parle de tasses de thé. On va partir sur du café, avec la petite chanson d'Old Olaf que vous connaissez sans doute, mais qu'il faut, pour ceux qui connaissent pas, je vous inviterai à aller la découvrir. Allez, c'est parti. Hop là. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas? Me crie mon aimé. Prenons un kawa, je viens de m'élever. Étant en avance et un peu forcé, je change de sens et je reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien l'avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps pour un café. La journée s'emballe, tout le monde.
le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire entre, fort comme vous l'aimez. Ah mince, je viens d'en prendre un, enfin bon maintenant qu'il est fait. Un repas d'affaires, tout près du sentier. Il fait un temps super, mais je me sens stressé. Mes collègues se marrent. Détends-toi René, prends un bon cigare. Voilà, je vous laisserai aller découvrir ça, Old Life, le café. Alors oui, pour Dame Quête, je vois, c'est un fail, non, oui, alors non, c'est un fake, la vidéo de la tasse, enfin de la collection de tasses qui se fait casser, c'est du faux, hein, vous imaginez bien, mais c'est rigolo à voir quand même, heureusement que c'est du faux, parce que là, je pense que ça se finirait très mal pour le perchiste, mais oui, non, c'est, voilà, c'était pour le drôle, allez. Bah c'est tout pour ce matin, 50e encore une fois un peu particulière, merci YouTube. Je vous souhaite à tous une bonne journée, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et je vous dis à très bientôt, peut-être, si sans doute, mardi, pas de soucis. On partira sur une émission japonaise, je sais qu'il se fera striker, je ne sais pas encore comment je vous le montrerai, mais une émission japonaise qui date de 60, qui a commencé la diffusion en 69, je crois, si ma mémoire est bonne, et qui continue encore aujourd'hui, et c'est très très chouette à voir, c'est bourré de créativité et de talent, et j'ai vraiment envie de vous faire découvrir ça. Allez, je vous dis à tous, bonne journée, plein de bonnes choses, et à bientôt.